Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle visite, cette fois en forme de vlog. On tente de nouvelles choses, on va visiter ensemble la ville de Calvi en Corse et sa mythique citadelle, là où est d'ailleurs né Christophe Colomb. La citadelle fut construite au 15e siècle par le royaume de Gênes. En effet, les Génois ont dominé la Corse, la majorité de l'île, entre 1284 et 1739. À la suite, les Corses se sont soulevés et ont pu obtenir leur indépendance en 1755, notamment grâce à Pascal Paoli. En effet, entre 1729 et 1755, les Corses se sont soulevés et insurgés contre le royaume de Gênes pour obtenir leur indépendance qu'ils ont gardée pendant 14 ans, entre 1755 et 1769. À la suite, la Corse est devenue française et elle l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite anecdote, Christophe Colomb est né aux alentours de 1436, car on n'a pas d'acte de naissance officiel. Il est donc né à Cali, quand la Corse était italienne sous le royaume de Gênes, comme on l'a vu auparavant. Il a ensuite découvert l'Amérique en 1492, et la légende veut qu'il donna certains noms de ses découvertes, comme Haïti, à des villages corses, comme Haïti sans le H. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, learn French the fun way. Bonjour coach.